Monsieur de Rosier? Monsieur de Rosier? Monsieur de Rosier? Ne soyez pas gênés, entrez. Je m'excuse, je ne cherchais pas à vous déranger, vous voyez, je m'appelle Hugo et je suis fan de vos ouvrages depuis longtemps. Et lorsque j'ai eu votre publication, je me suis dit... Ah, parfait. Vous êtes exactement ce qu'il me manquait. Pardon? Il se trouve justement que je suis à court d'inspiration depuis un certain moment. J'ai besoin d'une nouvelle âme, d'un nouveau souffle. C'est peut-être soudain, mais... Que diriez-vous d'être mon bras droit? Moi? Allez, allez, ne me dites pas que vous avez mieux à faire. Vous allez travailler pour le meilleur écrivain de tous les temps, et en retour, je vais publier un roman comme personne n'aura jamais lu, et qui va certainement révolutionner le monde. Mais bien sûr, ça serait un honneur, ça serait un grand honneur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Temps à perdre! Mon roman est dû dans 53 jours. Soyez-vous. Complètement cette possibilité qu'elle avait, oui, d'exorciser toute cette noirceur qu'elle avait accumulée à travers les années. Comme ça, si, son âme était tranquillement. Non, ici. Descends, ensuite l'escalier, non. Et son mari? Il marchera jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est envolé depuis. Elle devient muette. Éloigné de sa tête. Je me suis éloigné de sa tête. Exorcisé. Oui, voilà. Non, ça va pas du tout. Merde! Et vous? Vous n'êtes pas éternis, c'est maintenant! C'est ici, exactement ici! Vous n'avez rien dans la tête! Comment moi? Moi! Victor Desrosiers, j'ai pu tomber dans un cliché pareil! Ça va pas du tout. Pas le temps!
Vous l'avez prise où, cette pauvre? Chut! Ne voyez-vous donc pas que vous me dérangez? Vous pouvez faire la sieste et paresser pendant que moi je poursuis le travail. Vous me faites perdre mon temps. Et donc pas à vous reposer ce soir. Oh! Puisque vous n'avez visiblement aucun jugement, mon cher Hugo, permettez-moi d'établir une règle. Lorsque j'écris, vous ne me parlez pas! Me suis-je bien fait comprendre? C'est compris, désolé. La plume est un héritage de mes ancêtres. Je suis issu d'une lignée d'écrivains très renommés. Vous avez de la chance de me côtoyer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que... qui vous a permis d'intervenir dans mon travail? Quand vous rosiez, vous n'avez pas à intervenir dans mon travail, je vous dis! C'est vous! Victor, on va y arriver! Arrêtez, Victor! Pas du tout! Arrêtez, Victor! Victor, arrêtez! Jamais, jamais demandé d'intervenir dans mon travail! Non, 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 non! T'es foutu! Calmez vos esprits. Vous détruisez votre chef-d'œuvre. Vous l'avez détruit, espèce d'idiot.
ici, vous pauvres imbéciles. Comment pouvez-vous être aussi stupide et maladroit? Retournez d'où vous venez. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Bonjour. Je m'excuse de vous interrompre, c'est juste que je suis une très grande fan de vos livres et je me suis dit que... Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais appeler là. C'est impoli de ma part. Laissez-moi vous aider.